Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. Vous le savez, au cours de cette année 2024, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait annoncé le paiement des pensions en retraite, sinon une partie de celles-ci. Chose faite, et à ce jour, avec Pierre Mintza, acteur de la société civile, et Madame Nyongi Mukani Annie Gisèle, nous abordons la question relative au quid du paiement des rappels soldes, puisque les fonctionnaires sont toujours en attente. Bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. On parle justement de cette problématique. L'argent n'aime pas le bruit, permettez-moi le dire dans un langage trivial. Qu'en est-il aujourd'hui? Après, bien sûr, le paiement d'une partie des pensions aux retraités par le gouvernement, le CTRI avec le président de la transition qu'il avait lui-même annoncé. Qu'en est-il aujourd'hui, par exemple, du paiement des rappels soldes? En commençant par vous, Pierre Mintza. Merci, c'est tout un grand plaisir, une fois de plus, que je me retrouve sur les antennes de Gabon 24, une chaîne de référence mondiale. Merci. Pour parler des questions de l'ère, parmi lesquelles le social des Gabonais en général et des travailleurs que nous sommes en particulier. Mmh. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, après le 30 août, a pensé à essuyer les larmes des retraités civils et militaires du secteur public. Je voudrais rappeler que ces retraités du secteur public, retraités civils et militaires, certains étaient sans pension de 2015 à l'arrivée du CTRI, je dis bien sans pension. Oui. D'autres qui étaient à la retraite avant 2015 avaient des pensions très minables. Je parle du secteur public. Oui. Quand il arrive, quand les militaires arrivent au pouvoir, le premier acte fort que les militaires ont réalisé avec fort impact social, c'est de revoir les rémunérations des auxiliaires de commandement. Oui. Chef de village, chef de canton, chef de regroupement, chef de quartier. C'est du social, pur et simple. Et après, le CTRI a octroyé plus de 20 500 postes budgétaires aux uns aux autres. C'est du concret. Le CTRI est sur le chantier des routes. Libreville-Ntoum, il n'y a plus poussière. C'est du concret. Le CTRI est dans la construction des écoles et des hôpitaux. C'est du concret. Le 24 février 2024, était appelé le ministre du Budget et des Comptes publics, M. Charles Lamba. Oui. Le professeur Adrien Mungungu, ministre de la Santé, oui, pour que les problèmes des retraités soient réglés. Nous avons donc été ensemble et le chef de l'État a décidé de régler le problème des retraités en rapport avec les pensions. De quel problème s'agissait-il? Il s'agissait, pour le chef de l'État, de payer 28 milliards, correspondant à 50% des rappels des pensions arrimées aux retraités. Oui. Et 3 milliards des rappels des pensions revalorisées encore aux retraités, dont l'effectivité a été constatée le 24 février 2024. Et le 29 février 2024, chaque retraité a vu sa pension soit arrimée, soit revalorisée, au nombre de 28 000. D'accord. Vous comprenez qu'avec ce qui est fait dans le secteur public, les seuls qui n'étaient pas encore totalement impactés, c'est les agents publics, civils et militaires, en attente du paiement des rappels soldes. D'accord. Et le rappel solde, c'est la conséquence de la non-régularisation d'une situation administrative d'un agent public d'une période à une autre. C'est ce qui génère un rappel solde. Et aujourd'hui, quand on essaie d'évaluer, jusqu'à ce jour, les rappels soldes calculés, nous sommes à 106 milliards. Et le nombre d'agents publics civils et militaires, c'est aujourd'hui à 106 milliards aussi. Ça ne veut pas dire qu'un agent public a droit à 1 milliard, de rappels soldes. Oui. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, dans les bénéficiaires des rappels soldes, vous avez trois catégories. D'accord. Les actifs, les décédés, donc les ayants droit des disparus, et les retraités. D'accord. Parce que pour la petite histoire, en 2021, il y avait dans les caisses de l'État 3 milliards
pour payer les rappels sols aux retraités. Les 3 milliards ne pouvaient pas suffire pour liquider la dette liée aux retraités en termes de rappel sol. D'accord. La formule que nous avions trouvée à l'époque, c'était de faire en sorte que ceux qui ont les rappels sol, les retraités qui ont les rappels sol, compris entre 0 francs et 600 000, tous leurs rappels sol ont été liquidés. Et les retraités qui avaient les rappels sol au-delà de 600 000 ont eu les avances sur rappel de 600 000. D'accord. Là, l'opération que nous proposons au chef de l'État de réaliser doit tenir compte de tous les retraités et de toutes les autres cibles que nous venons de toucher. Les 106 000 agents publics civils et militaires ne sont pas concernés parce que tous n'attendent pas les rappels sols. La dernière année où les rappels sols ont été payés, c'était avec l'ancien Premier ministre, devenu aujourd'hui Premier ministre de la Transition, M. Raymond Donsima. Nous sommes en 2013. Ouais. Combien y a-t-il de bénéficiaires, aussi bien pour les actifs, les ayants droit, que pour les retraités. Si et seulement si le chef de l'État pense à liquider dans l'urgence les rappels sols, ce qui pourrait être une priorité pour lui, parce que nous savons qu'il est très social. D'accord, justement, Annie-Gisèle Nyangui-Moukani, il n'y a qu'à côté de tous ces problèmes que rencontrent les Gabonais depuis de nombreuses années, en cette période de transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema a quand même d'autres priorités, à côté de celle-là, par exemple. Est-ce possible de pouvoir arriver au bout du tunnel lorsque l'on voit toutes les difficultés que rencontrent les Gabonais et celles qui s'opposent aujourd'hui à Brice Clotaire-Oligui-Nguema? Je vous remercie d'abord de m'avoir rappelé sur ce plateau. Comme j'ai toujours coutume de le dire, dans toute chose, c'est avoir de l'amour du prochain. Ouais. Quand on a de l'amour du prochain, lorsqu'on est patriote, on prend les problèmes des autres, on les met sur le dos. D'où notre combat et le combat du président. Ouais. Comme je le dis toujours, il n'était pas obligé de faire ce qu'il est en train de faire. Il arrive, il trouve son peuple en train de pleurer. Il fait quoi? Il ne peut pas se contenter de nous regarder. Il est obligé de prendre tout sur lui. Raison pour laquelle il est obligé de trouver un palliatif pour donner aux Gabonais le sourire. Et comme, comme vous pouvez le constater, que depuis son arrivée, les Gabonais ont le sourire. Pour que ce sourire soit pérenne, il est obligé de faire étape par étape. Ouais. D'où arrive le paiement des rappels soldes des agents publics de l'État. Parce que nous étions les derniers à percevoir. La dernière fois, c'était les retraités. Il fallait bien qu'ils trouvent une solution en ce qui nous concerne. Même s'ils ne peuvent pas payer la totalité des 106 milliards qui sont calculés, mais on trouvera bien des solutions comment faire pour pallier un tant soit peu au problème des Gabonais. 106 milliards, c'est énorme quand même, c'est énorme, Pierre Mintza, 106 milliards. Qu'est-ce qui explique que le Gabon se retrouve avec de telles dettes sur le plan national, notamment concernant les rappels sols? Moi, j'aime dire les choses telles que cela doit être dit. Je définis rappel sol en français. Maintenant, je vais définir rappel sol dans le langage syndical. Ouais. Parce que étant dans une administration, dans une fonction publique de carrière, ça veut dire que les choses devraient se faire automatiquement. Rappel sol en français, c'est la non-régularisation d'une situation administrative d'un agent, d'une date à une autre. Ça témoigne quoi? Ça voudrait dire que la situation administrative doit être régularisé. Et une fois la situation administrative régularisée, automatiquement, il y a une incidence financière. Ouais. L'accumulation de ces rappels sol aujourd'hui, c'est le fait que rappel sol veut dire toi, gestionnaire des ressources humaines, toi, gestionnaire des ressources financières, rappelle-toi que tu es nul en gestion parce que étant dans une fonction publique de carrière. L'accumulation des rappels. Vous remettez quand même en cause... Non. Je vous le dis, la fonction publique de carrière, les choses doivent aller automatiquement. La fonction publique ne se résume pas seulement par la présence des actifs qui sont à Libreville, à Mabanda. Il y a des agents publics qui se trouvent. Que faut-il faire pour calculer un rappel solde? Le premier rappel solde que nous avons à calculer, on appelle ça le rappel d'intégration. D'accord. Pour calculer le rappel d'intégration, il faut obligatoirement la présence de l'agent concerné qui doit apporter avec lui la première prise de service, qui doit être conforme à la date d'attribution de votre poste budgétaire, ce qui est déjà une anomalie, parce que nous savons que bon nombre d'agents
ont commencé les services, ont pris les services avant l'obtention de leur poste budgétaire. Deuxièmement, le texte d'intégration, l'attestation de non-logement et l'attestation de non-transport. Imagine un seul instant que ceux qui sont à Mabanda, coupés de route, ils ont ces quatre éléments-là. Ils veulent que leur appel seul soit calculé, mais leurs appels seuls ne sont pas calculés par le fait que l'administration n'a pas fait totalement son travail. Je voudrais plus revenir à ce passé-là. Vous voyez, il est question aujourd'hui que, quand on regarde un peu l'enveloppe, 106 milliards, ce n'est pas le CTRI qui est à l'origine de ces 106 milliards. C'est la mauvaise gouvernance qu'il y a eu avant le 29 août 2023. Alors, puisqu'il a hérité du Gabon, quand on hérite du Gabon, on hérite de son patrimoine. Le patrimoine, c'est l'actif et le passif. Donc, dans le passif, il y a les rappels sols. Le CTRI essaie d'essuyer les larmes à toutes les couches, mais jusque-là, le CTRI n'avait pas encore essuyé les larmes des fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qui est possible dans la situation actuelle? Je vous dis ce qui est possible. Oui. Dans la situation actuelle, le CTRI veut faire les routes. Nous en convenons. Le CTRI est dans la construction des hôpitaux. Nous sommes d'avis. Dans la construction des écoles, dans la restauration des institutions, pour que le Gabon redevienne un pays normal, un état de droit. Nous accompagnons le CTRI. Mais qu'est-ce qui est possible sur les 106 milliards, de sorte que les autres chantiers, qui sont aussi importants que les rappels sols, ne prennent le coup? C'est de diviser, c'est d'échelonner le paiement des rappels sols en trois tranches. Ça veut dire on divise les 106 milliards par trois. Et on dit au président de la transition, s'il divise les 106 milliards par trois, nous tomberons à quelque chose de 40 milliards par là, chiffre abusé. Je dis bien abusé, on peut être en deçà. Et puisque nous devons aussi, nous les agents publics, nous devons aussi avoir ce sourire-là, il n'est pas mauvais que d'ici le 15 octobre, que le président de la transition, tel qu'il sait bien le faire, qu'il trouve aussi les 40 milliards ou les 38 milliards pour commencer la liquidation des rappels sols. Et avec 38 milliards, je vous assure, l'actif qui attend son rappel calculé, le retraité qui attend son rappel calculé, les ayants droit des disparus qui attendent les rappels de leurs parents décédés, chacun trouvera son compte. Chacun trouvera son compte. Donc, dire au chef de l'État de fournir les 106 milliards du coup, non, ce sera trop demandé. Mais avec 38 milliards, première étape, 38 milliards, deuxième étape, quand on va arriver à la troisième étape, peut-être qu'il ne restera que 15 milliards à payer pour que, après élection présidentielle 2025, parce que nous savons qu'il y tient, après élection présidentielle 2025. Non, encore que c'est le calendrier de la transition. Effectivement, précise, vous comprenez que le CTRI est dans le respect de son chronogramme. Ça veut dire qu'on peut accorder la crédibilité. Parce que celui qui respecte sa parole mérite crédibilité. Donc, ce qui veut dire que nous, on dit au chef de la transition que pour les agents publics, nous sommes encore en 2024, nous sommes en septembre 2024, faites un tour de magie pour que d'ici le 15 octobre, que les gens rentrent en position de leur appel, après référendum, que les gens rentrent en position de leur appel, et après élection, que les gens rentrent en position de leur appel pour que pour une fois, on parle rappel calculé zéro au Gabon. C'est possible. Annie Gisèle Nyangui Moukani, en écoutant Pierre Mintsa, il y a que je voudrais quand même insister sur cette question. Oui, le président de la transition doit pouvoir regarder à tous les Gabonais. Il doit pouvoir écouter les problèmes de tous les Gabonais. Sauf que vous l'avez dit, on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Au stade où on en est, est-ce que les fonctionnaires gabonais en attente de leur appel solde seront à même capables d'accepter qu'une première enveloppe leur soit d'abord versée? Parce que, vous l'avez dit, il y en a qui attendent depuis 2013, par exemple. J'ai coutume de le dire ici, que lorsque le président de la transition arrive, il n'était pas obligé de faire ce qu'il fait. Il le fait parce qu'il est patriote, parce qu'il aime son peuple. Il était en train de dire qu'il ne peut pas endosser tout ce qu'il a trouvé, mais il prend tout sur lui. Donc moi, je pense que, en ce qui nous concerne, nous, le peuple gabonais, qui avons tant souffert, qui n'avons jamais pensé un seul instant qu'on devait avoir cet argent, on serait à même d'accepter. Et moi, je sais que mes frères et sœurs vont accepter. Parce qu'il y a souvent des perturbations qui sont causées par les partenaires sociaux, les syndicalistes. Voilà, tout justement. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand le président arrive,
Il nous avait reçus en mars, le 4 mars plus précisément. Mmh. Il lui a demandé la trêve sociale. Ouais. Mais pour que nous acceptions cette trêve sociale, il va falloir que nous aussi nous soyons contents. Nous ne pouvons pas aller dire au président que oui, nous voulons la trêve sociale tant que nous ne sommes pas bien soignés, nous ne sommes pas bien nourris, nous ne sommes pas bien logés, nous ne sommes pas bien vêtus pour ne parler que de ces choses élémentaires. Mais lui, étant conscient de cette situation, il fait quoi? Il dit, bon, j'ai envie de demander quelque chose à mon peuple. J'ai déjà fait certaines choses que M. Mintha vient d'énumérer, mais il y a une seule chose qui reste. Pour ne pas dire qu'il y a, quelques, il y a certaines choses qui restent parmi tant, puisque les autres ont déjà eu gain de cause, en l'occurrence les retraités, il faut bien que je pense aux fonctionnaires gabonais. Raison pour laquelle on est en train de faire ce travail. Le travail a été fait, comme je viens de vous dire, Père Mintha. Il va être fait en trois tranches. Et je peux vous dire que tout le monde sera content. C'est vrai que peut-être pour ceux qui attendent les 4, les 5 millions, 20 millions, mais malheureusement, avec tant de chantiers, il ne peut pas prendre autant d'argent. Il faut à la fois régler les problèmes dans le secteur de l'éducation, la santé, les routes. Dans tous les secteurs, parce qu'il a hérité d'un pays moribond. Ça, ce n'est un secret pour personne. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons vécu jusqu'au 30 août, nous étions des morts vivants. Personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, que nous avons quelqu'un qui pense aux Gabonais parce qu'il estime que l'homme doit avoir une dignité. Et la dignité de l'homme va dans toutes ces choses. Il faut quand même pouvoir se nourrir. Et pour se nourrir, il faut les moyens. Avec le coût de vie élevé qui est le nôtre, si quelqu'un, pour un argent que vous n'attendez même pas avoir, vient vous donner 10 000, moi je pense que je ne vois pas un Gabonais qui va refuser. Et les Gabonais sont unanimes. C'est la raison pour laquelle nous venons vous dire, les Gabonais, nous avons la chance d'avoir un père qui a pensé à nous, qui n'était pas obligé de le faire, parce que nous avons subi. Tant d'années, on a crié, on a tout fait. On n'a pas eu gain de cause. Si quelqu'un arrive qui vous dit, bon, me voici, je vais vous faire ci, on va accepter. Et le Gabonais va être content. Pierre Mintha, vous voulez rajouter quelque chose? Effectivement. Vous voyez, vous venez de poser une bonne question. Est-ce que les fonctionnaires gabonais accepteront de rentrer en possession d'une partie de leur appel solde? Il ne faudrait pas que l'on oublie d'où on vient. Ouais. Nous sommes restés pendant des années sans qu'un tel geste ne soit réalisé. Qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Nous parlons des réalités. Vous savez, je vous dis, la dernière année où les rappels ont été payés de façon collective, c'était en 2013. De 2013 à nos jours, montrez-moi en dehors des business qui étaient effectués au niveau de la solde pour que les rappels soient payés en offre, individuellement, selon les relations des uns et des autres. Là, il s'agit d'une opération collective. Êtes-vous en train de dire que ça se passait de la sorte? Oui, oui, oui. Ça se passait comme ça. Et là, nous ne sommes plus... Nous ne sommes plus dans ce régime. Alors aujourd'hui, nous prenons pour que tous les bénéficiaires des rappels solde, qu'ils soient en activité, qu'ils soient retraités, ou encore que ce soit les ayants droit, que chacun rentre en possession d'une partie de son rappel solde. Et nous pensons que pour rentrer en possession de son rappel solde, nous faisons les tranches. Il y a des gens qui ont les 67 millions de rappels solde. Vous voyez? Il y a aussi des gens qui ont les rappels compris entre 0 francs et 1 million. Alors, ceux qui ont les rappels compris entre 0 francs et 1 million, tous seront liquidés en une tranche. D'accord. En une tranche. Ouais. Ceux qui ont des rappels au-delà de 1 million ou de 5 et plus, en deux tranches. Et ceux qui ont les rappels au-delà de 10 millions, en trois tranches. D'accord. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le paiement, dans le paiement par tranche, on diminue le nombre de bénéficiaires. D'accord. Pour que, enfin, les dossiers des rappels qui ne sont pas encore arrivés à la solde, pour que les intéressés pensent à faire calculer leur appel à la solde et qu'après la dernière tranche de paiement, qu'on évalue le nombre de dossiers nouveaux en attente des rappels solde. Mais pour ce qui est des rappels solde calculés aujourd'hui, c'est 106 milliards. Et le conseil que nous pouvons donner au chef de l'État, c'est que dans les 106 milliards, qu'on le divise par trois. Je ne vois aucun fonctionnaire qui a fait 10 ans refuser cela. D'ailleurs même, ça rentre dans les éléments de langage que nous devons utiliser parce que le chef de l'État, le 4 mars 2024, a demandé la trêve sociale au syndicat que nous sommes. Vous voyez? Et la réponse à, sa question, à sa demande, c'est « Bon, chef, oui, vous voulez la trêve, oui, mais vous ne voyez pas que les rappels solde depuis 2013 ?» Il dit « Oui, je peux. Bon, vous pouvez à hauteur de combien ?» Il nous dira
Ce qui est sûr, c'est que, sachant qu'il a une fibre sociale et qu'il aime tellement du social, parce qu'il a dans sa famille des retraités qui ne vivent pas de son salaire, qui vivent de leur pension, qui attendent leur appel sol, ce qui est sûr, c'est qu'autant il a fait pour les uns, il pourra aussi faire cet effort pour les autres, pour compter du 15 octobre. Nous savons qu'il peut le faire, mais demander au chef de l'État de fournir 106 milliards du coup, ce sera scier la branche sur laquelle nous sommes assis. S'il dégage les 106 milliards, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire les routes? Parce que de Bitam à Ngozo, il n'y a pas la route. Donc, il y a autant de chantiers et il est mieux qu'on commence quelque part et c'est ce que nous proposons au chef de l'État. Et nous savons qu'il nous suit. Il nous suit et que ceux-là qui parlent, j'aimerais dire à tout le monde, parlons, mais soyons objectifs. Sauf qu'à côté, justement, il y a d'autres partenaires sociaux qui vont à travers les réseaux et autres médias traditionnels pour pouvoir lever la voix et s'indigner du fonctionnement actuel et de la gestion même des fonctionnaires. À cela, que leur dites-vous? Non. Vous savez, la liberté d'expression est libre à tout le monde. Vous voyez? Mais nous sommes des syndicalistes. Mmh. Nous sommes des partenaires sociaux. Les travailleurs savent qui fait quoi dans l'activité syndicale. Je dis bien les travailleurs, ils savent. Vous pensez que moi, Pierre Minta, avec les autres, confédération, syndicat de base, vous pensez que nous allons nous lever pour parler des sujets sensibles si nous ne sommes pas sûrs que nous avons déjà fait un travail de fond? Ce travail nous a permis, nous, syndicalistes responsables, de nous rapprocher des services compétents. D'accord. La Direction générale du budget et des finances publiques, la Direction générale de la dette, la Direction générale du trésor et la Direction de la solde, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour dire que le chef de l'État nous a demandé une trêve sociale. Nous voulons aller à cette trêve sociale, mais il est important qu'on regarde d'abord un élément clé qui touche en même temps le fonctionnaire d'aujourd'hui, le retraité et puis les ayants droit des fonctionnaires disparus. Et cet élément clé se trouve être les rappels sol. Donc d'accord. Il était important pour nous de nous rapprocher de ces services clés pour qu'on sache combien de rappels sont calculés, à hauteur de combien, combien de personnes sont concernées, qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons fait ce travail sur la demande des partenaires sociaux responsables que nous sommes, parce que nous ne voulons pas tourner au ridicule. Ce qui intéresse le travailleur aujourd'hui, ce n'est pas la tête de Pierre Minta. C'est la revendication que porte Pierre Minta. Est-ce que cette revendication est profitable pour tous? Si oui, pourquoi ne pas s'aligner dans cette logique? Parce que l'intérêt personnel ne doit en principe plus compter. D'accord, ce sera votre mot de la fin. Ah non, je voudrais ajouter. Nyangui Moukani, oui, vous voulez ajouter? Je voudrais ajouter. Pas de cours, je vous prie. Nous sommes arrivés au terme. Et aujourd'hui, après que les gens nous ont surpris dans ce travail qui a été fait au ministère du Budget, à la demande des partenaires sociaux que nous sommes, nous recevons les appels qui viennent. Que ce soit les appels des retraités, que les appels des actifs pour dire est-ce que c'est vraiment vrai que vous vous êtes retrouvé avec le ministère du Budget pour parler des questions des rappels? Nous avons dit oui. Le dernier cas, ce matin-là, c'est M. Vincent Ezozom qui est un enseignant affecté à OIM. Le dernier cas, c'est M. Assali qui est retraité militaire des eaux et forêts au niveau de Franceville. Et nous avons dit à ces gens, oui, effectivement, nous avons fait ce travail et nous pensons que d'ici le 15, le chef pourra faire un geste qui va amener le sourire à tout un chacun, quel que soit là où il est. Vous espérez du président de la transition une prise en main de Est-ce que vous avez déjà vu qu'il a dessus quelqu'un en termes... Le 15 octobre, Annie Gisèle Nyangui Moukani, que peut-on retenir? Que dire à ces autres fonctionnaires? Moi, je veux ici plutôt attirer l'attention du président de la République. Oui. Comme vous pouvez le constater, je suis commissaire dans ce travail. Il s'avère que les gens qui avaient été recrutés, qui ont été recrutés en retard, ne peuvent pas bénéficier de ce rappel. Ouais. Parce que quoi? Moi-même, j'en fais partie. J'ai été recruté au ministère des Mines depuis 2010. Je devais normalement être en solde depuis 2011, n'ayant pas de parents, n'ayant pas un nom. Mon dossier a été mis de côté, quand bien même j'avais été retenu en conférence d'intégration 2011. D'accord. Donc, à l'heure où on parle, je devais être fonctionnaire depuis 2011. Ouais. Moi-même, je suis allé faire les recherches au niveau de la solde, du budget. J'ai trouvé mon nom était dans le fichier en attente de la solde. D'accord. Malheureusement, ça a été, j'ai été recruté en 2021. Est-ce que vais-je perdre toutes ces années d'ancienneté par faute de l'administration? C'est pas moi qui ai demandé à être né pauvre.
excusez-moi peut-être de l'expression, mais malheureusement, c'est ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé à ne pas avoir un nom. Je me suis retrouvé dans une situation où on m'a mise de côté et je ne suis pas la seule. Nous sommes plusieurs dans cette situation. Effectivement. Il faudrait que le président de la République fasse une dérogation pour ça. Parce que en poussant mes recherches plus loin, je me suis rendu compte qu'il y a les agents, les prioritaires dans cette situation, c'est les agents de la santé, les agents de l'éducation nationale, les sortants école. Mais nous, on fait comment? J'ai bien une puce de service qui m'a permis de commencer le travail au ministère des Mines. La puce de service, je l'ai mise dans le dossier. Il faut bien que le président de la République pense à ça. Parce que le président de la République demande la trêve. La trêve, c'est la calmie. La calmie, il faut que chacun trouve son compte. Nous, on va rester sans trouver notre compte. Je ne pense pas. C'est le grand point d'interrogation. Pierre Minzano, c'est pas le terme de cette émission. Excusez, je vous en prie, oui, au pas de course. Excusez-moi de continuer. Toujours dans le même élan, monsieur le président de la République demande la trêve. La trêve, ça veut dire que les gens doivent être bien traités par leurs administrations. Nous ne sommes pas, pour certains, nous ne sommes pas bien traités dans nos administrations. D'accord. Et ça fera certainement l'objet d'un autre débat. Nous sommes calmes jusqu'à aujourd'hui, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous en prie. Si nous sommes calmes jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous voyons tant ce que le président de la République fait. Mais il faut que le président de la République regarde ce qui se passe dans les administrations. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. D'accord. Il envoie des gens, c'est pour venir nous gérer, c'est pas pour venir nous ruiner. C'est pas pour venir nous précariser davantage. Ça, nous en refusons. D'accord. Merci. C'est votre coup de gueule que je retiens comme votre mot de la fin. Pierre Minsa, en 10 secondes, je vous en prie. La trêve sociale qui est demandée par le chef de l'État doit trouver des réponses satisfaisantes. Et nous pensons que cette trêve sociale doit être élargie pour qu'elle ne soit plus appelée trêve sociale, mais plutôt une trêve socio-politique. Parce que dans la trêve sociopolitique, il faut intégrer le fait que les diplômés veulent entrer à la fonction publique, la main-d'œuvre non permanente diplômée veut être à la fonction publique, et pour que le président ait toute la possibilité, avec le CTRI, de sortir du Gabon dans le trou où il se trouve aujourd'hui, je crois qu'une trêve sociopolitique s'impose. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez Annie-Gisèle Nyangui-Moukani, Pierre Minsa, tous deux acteurs de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation et à vous qui nous avez regardé. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.